allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir la quatrième case du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire les Hachi Baby. Voilà. Donc, moi, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Alors, les Hachi Baby, en fait, c'est pareil que les Hachi Molles ou les jumeaux, voilà. Et en fait, en plus grand, en plus... Voilà. Et du coup, là, c'est des Hachi Babies, donc c'est des bébés. Maman, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Eh ben on va découvrir, on les a jamais ouverts. Donc je vais prendre des ciseaux si t'en as, maman. Oui. Alors j'ai jamais ouvert de Hachi Babies, mais si vous vous souvenez l'année dernière, j'avais eu à Noël des Hachi Molles, des grands Hachi Molles. Des jumeaux. Des jumeaux. Des jumeaux bleus. Voilà. Après du coup, je sais pas si on va pouvoir enlever. Si. En fait, ils mettent tout le temps. Regardez. Le petit secret, c'est qu'en fait dessus, ils mettent tout le temps ça. Oui, on croit que c'est l'œuf en fait. Ouais, mais pas du tout. Il y a l'œuf. Ouais. J'ai trop hâte. Et toutes les surprises, elles sont dans l'œuf? Elles sont dans l'œuf avec le bébé. Ça y est, j'ai sorti l'œuf. Donc il est plutôt beau, hein. Très magnifique. Voilà, avec des petits points. Hein. Donc il y a les 5 surprises qui sont avec le bébé. Alors tu sais comment ça fonctionne? Bah oui, il y avait une étiquette, c'était enlevé, je crois. Oh, regardez! Attendez, en fait, il y a la lumière. Si, je le vois bouger, Lily, hein. Là, c'est pas moi qui le fais bouger, l'œuf, hein. C'est un bébé qui a beaucoup parlé, ça, hein. C'est génial. Allez bébé. Et t'es. Et alors il va sortir tout seul? Je crois qu'il faut peut-être le caresser en fait. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Regardez, écoutez. Il fait de la belle lumière, hein. Et alors Lily, cette Hachi Babies, en fait, tu vas pouvoir le faire gagner aujourd'hui. Avec autre chose. Oui. Il y a aussi un autre cadeau, mais que tu nous montres après. Allez, oui, à la fin. Voilà, il y a un Hachi Babies à gagner et autre chose. En tout cas, c'est un bébé bien bavard, hein. Je crois que quand il fait ce bruit, je crois que ça veut dire qu'il pleure. Yo, là, on dirait qu'il pleure, oui. Je sais pas. Coucou Gabin. Coucou. Vas-y, bah oui, essaye. Il est vert et rose. Est-ce qu'on voit? Attends, moi je vais essayer de prendre un tabouret. Non. Attends, je vais me mettre comme ça. Faut le chauffer celui-là pour faire comment? Faut le chauffer par dessous. Il faut le bercer, il faut le. Il est vert et rose d'après ce que vous voyez? Oui, vert et rose. Ça serait Ponette alors. Attends, ça ressemble à quoi Ponette? Ça. Oh, encore un poc. Ah ouais, on le voit, attends. Oui. Oh, encore. Ah, oh, il est tout doux. Regarde, là tu vas bientôt pouvoir enlever. Là, je vais pouvoir enlever là. Oh, oula, il se craque beaucoup, attends, bouge pas. Oula. Ouais, c'est joli. Laisse-le faire tout seul, voir. Faut chauffer, vas-y, chauffe-le. Oh, tout ça, je pourrais bientôt enlever. Regarde, Gabin. Ouais. Et même de l'autre côté, hein. Oh bien. C'est bien, petit poulet. Il craque de partout, hein. Ah ouais. Ouais, vraiment. Oula. Là. Non. Ouais, vas-y, laisse pour l'instant. Ça commence vraiment à s'enlever, ça, hein.
Et il bouge. Ouais, il bouge dans l'heure. C'est trop joli. Il s'est endormi. Il dort là. Alors, il refait une musique. Il casse, hein. Maman, tu penses que je peux enlever cette partie? Oh! Et oui, attends, il en peut voir, là. Oui! Ah, oh, c'est tout doux, l'intérieur. C'est Ponette. Non, c'est pas Ponette. Je t'assure. Regarde, qui a un nœud sur la tête, c'est Ponette. C'est trop joli. Et tu vas bientôt pouvoir le sortir. Tiens, vas-y, essaye de le sortir peut-être là. Non. Non. Il est encore bloqué en bas. Ça, c'est quand il a fini d'éclore. Ah bah du coup, tu peux l'enlever. Vas-y, bah tu peux casser la coquille. Il est trop beau. Oh, il a des petites ailes dans le dos. Ah, mais il y a des surprises aussi en bas. Oui. 5 surprises. Ah ouais, donc en gros, en bas, il y a des petits sachets avec des surprises. Et voilà. Ah, trop joli. Bon, il est beau. Ah, il est trop beau. Mais du coup, oui. Oh, je l'ai. Du coup, oui, on a bien Ponette. Oh, regardez. Il y a une petite couche, c'est ça? Une petite couche, oui. Je sais pas, oui. Et du coup, à l'intérieur, regardez, là, il y a des petites surprises. Et je vais vous laisser avec Lily, bah, qui va les ouvrir du coup. C'est vrai, Lily, j'ai pas fini les surprises. D'accord, bon bah. Et bah joyeux Noël. Donc, dans la première petite surprise. Donc, déjà, c'est une fille. On va regarder tout à l'heure si c'est vraiment Ponette. Ah, et tous ton bébé, Lily. Ah, c'est un doudou. Trop joli, le petit doudou. Tiens, ton petit doudou. Avec une petite brosse. C'est trop sûr qu'il ne faille. Et content. Après, dans le petit bac. Ah, c'est son petit joujou à la main. Le hochet. Oui, je l'ai. Regarde. Ah, c'est trop joli. Hein. Essaye de l'approcher. Attends, bouge pas. Je vais. Trop joli. Mmh. Oh, t'as des coquilles qui tombent. C'est pas moi. Attends, il me semble qu'on peut le donner dans les mains. Ah non. Il est trop joli. Et dans le petit dernier. Donc pour l'instant, nous avons. Oula. Il bouge. Dans le dernier. Bien évidemment, bébé. Biberon. Le petit biberon. Super joli. Donc, je crois qu'on peut lui donner. Oui! Mais le tien, ça y est. Hein. Comme ça. On fait style tube. Ça y est, là, il dort. Ah, ça y est, il est réveillé. Hein. Ah, bah, il n'a pas dormi longtemps. Non. Et il a plein de fonctions. Je crois qu'il y a des jeux si tu appuies sur les pattes. Ah oui! Il faut appuyer 3 secondes sur. Là, j'ai les yeux verts. Là, les yeux verts, et ça, c'est le jeu de l'animal, je crois. Wink, 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 wink. Ah, il faut que tu appuies sur le capteur du front quand tu vois la couleur qui correspond au bruit d'animal. Alors, quand il fait le bruit du poussin, c'est jaune. Quand il fait le mouton, c'est blanc. Quand il fait la grenouille, c'est vert. Et quand il fait le cochon, c'est rose. Mais il fait pas le poussin là. Wink, wink. Ouais. Wink, wink. Il faut que tu aies 8 bonnes réponses pour avoir gagné. Il est trop joli, hein? Alors attends, il peut t'enregistrer, Lily. Donc, ouais, écoute-moi. Donc, si tu tiens ses deux pieds en même temps pendant 2 secondes,
Ses yeux clignotent en bleu turquoise. Il te dit bonjour. Et quand ses yeux deviennent bleu turquoise fixe, quand il clignote plus, tu peux parler pendant 4 secondes. Quand tu lâches les pieds, il répète ce que tu as dit. Donc je dois lui tenir les pieds pendant tout le long, ça. Alors tu lui tiens les pieds, voilà, tu lui tiens les pieds pendant 2 secondes. Clignote vert bleu. Et ça doit clignoter en turquoise. Comme ça. Voilà, ça doit clignoter. Lâche. Mais je crois qu'il nous a répété ce que j'ai entendu. Regarde, écoute. Coucou, ça va petit Hachimol? Il est rigolo, hein? Il est trop drôle. Ah, j'aime beaucoup, moi. Après, du coup, on peut enlever ça et après, on peut enlever le petit... Donc, j'enlève tous les petits emballages. Regarde, maman, on peut lui enlever ça, ça va lui servir. Voilà, alors il y a plein d'autres fonctions. Il y en a tellement qu'on peut pas toutes vous les donner là en vidéo. Ouais, mais en tout cas, il y en a plein. Du coup, on peut le remettre dans son petit, dans sa petite boîte. Et ça fait une petite chaise haute, c'est voilà, ça? Voilà, oui. D'où il se dandine dedans. Là, maintenant, je crois qu'il a reconnu qu'il est dedans, du coup, en fait, il s'amuse. Ouais, c'est trop joli, hein? Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais nous montrer aussi, Lily? Ah oui, bon bah pendant qu'il s'amuse, hein, eh ben, je voulais vous montrer la fête tropicale. Ah. Des petits Hachimols, hein, pas des grands, hein, des petits Hachimols. Donc maman, j'ouvre. Là, tu nous expliques un petit peu avant. Alors, la fête tropicale, en fait, c'est un endroit où en fait on peut ranger, un peu. C'est un manège en fait, une espèce de manège pour nos petits Hachimols, on peut les ranger. On peut les mettre là, c'est une balançoire un peu. On peut les mettre là, et en fait, je sais pas si vous voyez, il y a des petits points un peu à des moments. Et ben, ces petits points ils vont illuminer. Donc c'est pour les Hachimols qui s'allument de la dernière. Voilà, donc là il y en a un qui joue de la guitare, et là il y en a un aussi qui joue de la musique aussi. Là, il y a une balançoire et tout. Du coup, bah, je voulais bien déballer ça avec vous, hein. Alors, je vais vous présenter les deux petits Hachimols. Alors, attends, j'essaye de... Ils sont... Waouh, ils sont beaux. Ouais, ils sont très beaux. Les deux, donc, deux que je n'avais pas. Enfin, lui, il me semble que je l'ai, mais sans la guitare. Hein. Donc, c'est bien. Alors, ça se tourne, ça c'est bien. Il y a ça aussi, ça se tourne. Là, ils peuvent passer là. Là, il y a la balançoire aussi qui bouge. Il y a un petit toboggan. Là. Et donc, il y avait un, là. Deux, ça allume là. Et trois, ça allume un peu de partout. Et alors, quand tu les mets dessus, ils brillent. C'est ça? Oui, donc, maman, est-ce que tu voudrais même passer mes Hachimols, s'il te plaît? Parce que j'avais déjà fait une ouverture avec... Les Hachimols qui avaient du cœur. Waouh! Mais ils ont plusieurs? Ça met de l'ambiance là-dedans. Et un petit poney. C'est beau, non? Ouais. Donc, tu peux en mettre sur les balançoires là-haut, enfin sur le manège là-haut. Ouais, mais je vais en mettre deux. Alors peut-être, voilà, comme ça. Oui. Non, comme ça. Dans la balançoire aussi. Il y a plein d'emplacements. Et il dort ton Hachi Baby hein, pendant ce temps. Fais dodo. Moi j'adore, moi je sens avec ça, moi j'ai bien amusé. Hein. Et du coup, moi je vous ferai gagner ça. Enfin, un fête tropicale et un Hachi Baby. Ok maman? Donc il y a un Hachi Baby à gagner et un fête tropicale. Oui. Voilà, donc pour répondre à la question, quelle question tu vas poser Lily? Ah, je sais. Est-ce que... Oui. Alors en fait, j'ai... Voilà, maman elle coupera, mais elle mettra le prénom parce que Gabin en fait il s'est gouré, il a dit Ponette, mais c'est l'autre.
comment s'appelle mon animal? Est-ce que c'est un poney ou un chitri? D'accord. On va dire ça comme question. Donc c'est la question. Et puis bah, comme d'habitude, si la vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très